kicking me till I'm numb. Et salut tout le monde, c'est X-Raybo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire le tuto. Donc on va créer des persos, enfin un perso en particulier, donc on va créer Logan, donc dans Wolverine, donc, le dernier Wolverine qui est sorti. Voilà, donc on va attendre, donc je vais vous montrer comment le créer. Donc c'est sur, il faut avoir le 2K16 minimum, hein. C'est pour la coupe de cheveux et tout. Bon, après pour le créer en détail comme moi, il faut tout qui 17, c'est sûr. Donc voilà, c'est, je voulais montrer vite fait à quoi il ressemble. Ça c'est tout ce que j'ai téléchargé. Hein. Je pense peut-être que je vais reproduire à nouveau. Essayer de reproduire si c'est possible. Parce que je peux également importer des trucs de ma galerie, mais bon après si jamais il faut importer des trucs, je vous montrerai également comment on fait pour les importer dans le jeu. En fait le jeu je l'ai pas payé, en fait il est gratuit pendant lui tout le week-end, du coup j'ai profité pour faire quelques vidéos. Voilà. Jusqu'à dimanche il est gratuit, après je pense que je vais l'acheter. Donc voilà. Si les vidéos vous satisfait, je vais l'acheter et je vais continuer mes vidéos dessus. Voilà. Alors voilà, visage, donc vous allez dans personnalisation du visage. Vous le mettez des rides sur le front. Le front. Alors, attendez, ça c'est pas les rides, non, c'est les taches, ouais, les taches. C'est des rides, maintenant. Dans les taches. Vous verrez des rides aussi, mais bon, les taches, vous allez en bas. Allez, je te retrouve. Descendez, descendez, descendez. Oh, il est où? Je crois que c'est celui-là. Bon, c'est celui-là, voilà, mettez celui-là. En fait, vous mettez les rides, donc il y en a sur le front légèrement. Donc vous mettez les légères. Si. Ensuite, les pattes de. Ça c'est pour les yeux. Moi j'en ai mis, j'ai mis celle-là, voilà. Il est quand même âgé. Hein. On va faire le vieux, hein. Le vieux le Wolverine, pas le nouveau. Ah, pas le jeune, hein. Vraiment le dernier quoi. Alors, vous mettez également un petit peu sur la bouche. Vous mettez en fait pratiquement partout. À part sur le l'âme, là le cou, ça sert à rien, rien peut-être aussi, ça sert à rien. Ouais, je mets quand même, voilà. Voilà. Il est pas aussi vieux que ça. Les textures, vous pouvez mettre la. Moi j'ai mis la première. Donc je vois tout là. Tout plat, voilà, les dents. Il y a toutes sortes de dents. Là, je vais laisser les dents banales. Là on est bon, donc personnage du visage c'est bon. Donc vous pouvez faire une photo tout ça, donc ça c'est vraiment si vous voulez le faire en détail. Moi je fais juste, moi je vais pas faire les yeux ni rien, je vous laisserai faire ça. Moi je fais juste tout ce qui est personnalisation du visage, les cheveux et les habits. Je vais mettre de l'huile, moi je vais pas, je vais en mettre peut-être un petit peu, mais on a 3. Voilà. Imaginez le mec plein d'huile, enfin moi je crois. Et ça fait le mec qui se bat bien, mais bon. Sur très perso ça marche pas. Alors sa taille, je vais les monter jusqu'à 1m95. Il fait, vous mettez 105 kg, ça suffit largement. Hein. Il est pas non plus costaud à 100%. Hein. Je mettais la corpulence ici, parce qu'il est âgé. Hein. Donc, il a perdu de la graisse, enfin il a perdu de la graisse et aussi du. Après, vous pouvez personnaliser tout le corps, donc ça, vous mettez juste le cou avancé comme ça, c'est. Voilà. Le dos, vous le mettez plus badass, parce qu'il a quand même un dos badass. C'est presque ce qu'on voit dans les. Et vous mettez un petit peu de biceps. Donc là, vous mettez, voilà, avancé comme ceci. Là, vous mettez un peu de biceps. Du biceps, enfin, un peu beaucoup, voilà. Dans les bras, vous le mettez en l'air, comme ça, voilà. Ça fait vraiment du style qu'il est bien. Les bras, bon les bras ça change pas grand chose, mais on va les mettre comme ça. C'est bon, donc là pour le ski corps c'est bon. Les veines, donc vous allez mettre des veines à la poitrine. Au ventre vous mettez aussi des veines, donc les veines très prononcées comme ceci, voilà. Le bras vous pouvez mettre si vous voulez, c'est pas obligatoire, moi je vais les mettre.
Moi j'ai mis des deux bras, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Alors peut-être au moins sur un bras, mais pas, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur les deux. Moi je mets sur les deux parce que je trouve que ça fait plus beau. Quand il y a un collier et tout ça, ça. Les jambes c'est pas obligatoire, je vous montre quand même. Bon, c'est pas un spec non plus, donc voilà, on va pas mettre. Voilà, c'est bon. Donc là vous avez le Wolverine sans les cheveux ni rien. Il est à poil. Donc maintenant on va faire la tenue, donc superstar, apparence, les cheveux. Alors les cheveux, ces cheveux là ils sont assez chiants à trouver, je sais même pas où ils sont. Alors faut que je cherche parce qu'attendez, donc vous allez descendre en même temps que moi. Donc c'est des numéros aussi, non je crois. Ouais. Non c'est pas celui-là, c'est une... elle ressemble à celle-là. Parce que normalement les coupes est blonde, quelque chose comme ça. Ça non, non c'est trop long c'est ça je crois, je suis pas sûr que ce soit ça. Les amis c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bon. Donc voilà, vous voulez dans, donc c'est bon, c'est ça, vous êtes dans couleur, vous prenez vous allez dans le blanc direct et vous allez essayer de mettre environ ici le curseur là où j'ai mes indicateurs, juste là, voilà. Vous faites ça un petit peu l'intensité des cheveux. Alors ça c'est la moustache, on verra plus tard, parce qu'on va d'abord mettre le menton. Parce que après il faudra ajuster. Parce qu'on, si on veut, on peut lui mettre toutes les, on peut lui mettre jusqu'à, je crois, 4 ou 5 barbes. Vous allez mettre celle-là. Vous la mettez à la même couleur. Voilà. Vous faites exactement voilà, pareil. Ici vous prenez une barbe qui va descendre, qui va toucher sa, enfin une moustache qui va toucher sa barbe, mais pas trop voilà, alors ça par exemple, ou alors ça fait un peu ce que j'ai vu là, c'est pas mal ça. Moi j'ai utilisé ça, enfin, moi j'ai utilisé ça, barbe de CMU, ça me dérange. Voilà, ensuite pilosité, ça c'est à vous de voir si vous voulez le faire plus ou moins barbu. Si vous voulez vraiment que ce soit barbu, vous mettez, sinon tant pis si vous mettez pas. Moi j'ai pas mis. Moi j'ai pas mis parce que je trouve qu'il est pas non plus barbu à 100%. Vous avez des barbes complètes, mais bon, les barbes complètes non. Vous pouvez courir, voilà. Moi j'ai complété avec ça pour faire encore plus de. Pour encore plus sa bouche de barbe. Vous pouvez teindre le, si vous voulez. Ou les cils, lèvres, donc ceux qui ont le jeu normalement comprendront. Voilà. La cicatrice, on sait pas ce qu'on veut, donc. Il n'y en a pas. Voilà, donc là on l'a complètement à poil. Là. C'est le vrai. Bon, ça non plus. Ça, ça me fait penser à créer un Deadpool. Mais l'ancien Deadpool, le tout premier. Bon voilà, là on l'a mais à poil. Donc maintenant on va l'habiller. On va l'habiller, donc c'est, il est simple à habiller. Hein. C'est un des personnages les plus simples à habiller. Donc vous allez tout en bas. Vous allez tout en bas. Donc suivez bien le curseur pour pas vous tromper. Et vous allez prendre celui-là. La matière et tout ça, vous faites comme vous voulez. Mais ce que je veux, c'est juste vous montrer la tenue. Vous allez en bas ensuite. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est pas un personnage compliqué à faire. C'est plus sur sa tête. Voilà. Vous allez tout en bas. Vous avez un jean qui sert là. Voilà, qui ressemble à son jean de base. Et voilà. Et ensuite, vous allez dans pas des chaussures. Ça, c'est à vous de choisir. Prenez juste pas des trucs blancs. Faut pas prendre des chaussures blanches, faut prendre des chaussures noires. Les chaussures blanches, c'est pas. C'est pas. C'est pas bon. Voilà. Et ouais, les poteaux. Voilà, fini. On l'a terminé, Wolverine, voilà. Ah, bien sûr, s'il est vieux, mais il a sa tenue de normal. Vous pouvez toujours après lui créer d'autres tenues, bah, bon, vous pouvez créer deux tenues, après vous. Bien sûr, après, faut refaire la coupe de cheveux et tout. Vous pouvez créer seule tenue, plus encore la tenue là, qu'il a dans le jeu. Moi, je l'ai pas faite. Donc là, après, voilà, pose dynamique, tout ça, c'est vraiment très stylé. Il y a beaucoup de pauses, hein, énormément. Bon, beaucoup, beaucoup de pauses. Je prends une pause qui va qui vous concerne plus bien pour finir la vidéo.
Moi, je vais pas sauvegarder puisque j'ai du hein. Mode de Wolverine, ça sert à rien. What? Personnalisé énormément. Et voilà les potos, la vidéo est déjà finie, donc n'hésitez pas à like, commenter et partager la vidéo et le recréer, ça me ferait super plaisir, et s'abonner également. Et vous, sinon, si vous voulez plus de détails, vous pouvez le télécharger en cherchant Wolverine ou Logan sur la barre de recherche.